Bienvenue, la leçon d'aujourd'hui, corsage sans pince. On va tracer d'abord le demi-dos en utilisant la formule suivante. Tour de poitrine divisé par 4, soit 100 divisé par 4. Alors, on a dessiné la ligne du côté. Ici, on va descendre par 23 cm pour dessiner la ligne de poitrine. Puis, on va descendre par 45, la longueur taille devant. Ici, on va dessiner la ligne de poitrine. Puis la ligne de taille. Si on va dessiner la ligne du milieu du devant, soit tour de poitrine divisé par 4 plus 2 cm d'aisance. Alors c'est la ligne du milieu du devant. Voilà les mesures qu'on va utiliser pour tracer ce corsage. Si on va mesurer 23 cm, la hauteur du bassin, pour tracer la ligne du bassin. Alors, après avoir tracé le cadre de construction, ici on va descendre par 2 cm pour tracer l'encolure du dos. Si on va mettre 7 cm, tour du cou divisé par 6 plus 0,5. Si on va mettre la moitié ou le milieu de 7, on va éliminer 0,5 au-dessous de la ligne d'encolure. Si on va descendre par 3 cm, on a d'abord mesuré 14 cm à partir de la base du cou. Puis on a descendu par 3 cm. Ici, on va tracer une ligne qui est égale à 37 divisé par 2, c'est-à-dire la carrure du dos divisé par 2. Ça va nous aider à tracer les manchures. Voilà, à partir de 14 cm, on va descendre par 3 cm et on redessine la largeur ou la ligne du pôle. On reprend la largeur des pôles, puis on va dessiner les manchures qui doivent être passées par la pointe des pôles, la carrure et le dessous du bras, jusqu'à la ligne de poitrine. Alors ici, on va tracer le devant. On va mettre 7 cm. Puis, on va descendre par 8 cm. Alors, on dessine l'encolure à l'aide du perroquet
Ici, on va mesurer 17 cm, la carrure du devant divisé par 2. On va mesurer 14 cm, la largeur d'épaule. On va descendre à partir de la ligne d'encolure par 4 cm. Pardon. Donc ici, on va reprendre la largeur d'épaule. Puis, en utilisant le perroquet, on va dessiner les manchures en passant par la pointe d'épaule, la carrure, vers le dessus du bras. Alors ici, on va tracer la manche basse. Alors, on va prendre EF. Je vais vous laisser là le lien de la leçon de la manche. Comment prendre EF dans la boîte de description. Alors ici, on va mettre EF x 2. La manche basse est plus large que la manche de base. Ici, on a tracé le bas de la manche en mesurant 60 cm à partir de la tête de la manche. On va terminer. Compléter la manche basse, on va descendre par EF divisé par 2 plus 3 cm. Alors pour les adultes, la hauteur de la tête de la manche varie de 13 à 14 cm. Alors, la partie droite, c'est le devant, la partie gauche, c'est le dos. Alors, le devant, on va le diviser par 4. Le devant, le dos, par 2. Si on va mettre 3 cm, puis on va monter par 1 cm de la moitié du dos, 1 cm dans le 1 quart du devant et on va descendre dans le troisième quart par 1 cm. Puis on redessine ou on dessine là les manchures en passant par ces points. On essaie toujours de tracer la tête de la manche un peu droite, à partir à peu près de 2 cm, 1 cm dans chaque côté. Alors concernant le tour de poignet, on va diviser 20 cm par 2. Alors le tour de poignet de la manche basse est identique dans chaque côté. Par contre, la manche de basse, on met 3 cinquièmes sur le devant, sur le dos, pardon, et 2 cinquièmes sur le devant. Puis on relie le dessous de bras avec le bas de la manche. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.